Arvid Perrault, ancien vice-consul de France à Montréal, à l'occasion de sa décoration comme chevalier de la Légion d'honneur. Ami, le lendemain des sanglantes batailles, aux accents d'éclairons, aux éclats des bravos, sous les drapeaux flottants, criblés par les mitrailles, le général vainqueur jette croix et médailles au sein poudreux de ses héros. Pour un soldat, la croix, fleur de chevalerie, c'est chaque dévouement amplement compensé. C'est le baiser d'orgueil de la mère attendrie. C'est le baiser d'amour que donne la patrie, en échange du sang versé. Pour plusieurs, c'est souvent l'espérance dernière, car chaque brave sait que, défait ou vainqueur, tant qu'il vivra, partout, duchesse et cantinière, diront en regardant briller sa boutonnière, celui-là, c'est un noble cœur. Mais, loin du champ d'honneur, d'autres âmes fécondes ont, si ce n'est leur sang, autre chose à donner. Et, fière nef voguant aux plus lointaines ondes, la France s'est trouvée, aux rives des deux mondes, d'autres têtes à couronner. Ce sont ces cœurs vaillants qui fleurissent dans l'ombre, à la France vouant tout leur modeste amour, et, tandis que là-bas, quelques loyautés sombres lui donnent, sans jamais en supputer le nombre, leur dévouement de chaque jour. Or, vous êtes, amis, l'un de ces cœurs modèles, et notre mère à tous devait bien à cela d'envoyer vers nos bords ces messagers fidèles qu'on nous dit aujourd'hui venus à tire d'aile vous apporter cette croix-là. Cette croix, cher ami, beau prix de votre zèle, cette croix nous aimons la voir rayonner. Mais si la France, ici, devait, chose nouvelle, orner chaque poitrine ou bas un cœur pour elle, elle n'aurait bientôt plus de croix à donner.